Alors, on a beaucoup parlé d'art et de technique. Il est temps, parce qu'on est aussi dans une entreprise, d'aborder l'aspect économique. Dans l'aspect économique, il y a aussi l'offre, l'offre aux clients. D'ailleurs, il peut y avoir client final, hein, mais il y a aussi entreprise, il y a aussi graphiste, qui est un peu dans l'entre-deux, entre toi et le client final, on va dire. Donc, tu as un catalogue hein, qui est très lisible et très visible sur le site de Production Type. Alors, un catalogue, on doit se poser la question, j'imagine, au moment où tu le commences, et surtout aujourd'hui, quand tu continues à l'avancer, par rapport à la stratégie, entre guillemets, hein, à adopter, est-ce qu'on doit développer beaucoup de caractères très éphémères? Est-ce qu'il faut des caractères durables? Est-ce qu'il faut les deux? Est-ce que tu arrives à penser, en plus il y a des caractères que tu crées, il y a des caractères qui sont créés ici, il y a des caractères possiblement d'ailleurs qui sont créés ailleurs et diffusés ici. Ça devient assez compliqué pour essayer d'y mettre entre guillemets de l'ordre, puisque le créateur de fond, c'est aussi parfois mettre un peu d'ordre. Comment tu t'y retrouves avec cette gestion de catalogue? Alors, il y a gestion de catalogue, il y a direction de catalogue, direction artistique et commerciale. Et les deux, en fait, sont évidemment hyper liés. Je pense le maître mot, à nouveau, hein, c'est contemporanéité du design. Une de nos missions, c'est d'animer, de faire vivre un design contemporain vivant. C'est pas de créer de la propriété intellectuelle pour une entreprise sans visage ou de créer de la richesse qui bénéficie pas en premier lieu au designer. Voilà. Donc du design vivant. Ensuite du design contemporain, c'est-à-dire des caractères qui ont une pertinence, une justesse à minima pour un design de maintenant, par opposition à un design d'hier. Mais surtout dans l'espoir que ce soit des caractères qui portent des designs pour demain. Voilà, donc c'est une vision de caractères qui vont performer immédiatement et pendant un bon moment. Après, rien n'empêche, parce que on est maître à bord, rien n'empêche de faire des caractères qui vont être plus légers, des caractères de saison. Et d'avoir en parallèle des caractères qui s'inscrivent dans la longévité. C'est à peu près la stratégie de catalogue chez Production Type, c'est une stratégie de garde-robe. C'est-à-dire qu'on va avoir des pièces de créateurs, on va avoir des pièces pour la saison, on va avoir des pièces pour les grandes occasions, et puis on va avoir des jeans, des vêtements de travail, des vêtements robustes que tu vas pouvoir réutiliser, qui ne vont peut-être pas convenir pour les grandes occasions de gala, mais qui pourront convenir pour tous les jours. Et inversement, on va avoir des caractères qui vont être des caractères de cocktail, ou des caractères de mariage ou de gala, des caractères que tu vas avoir plaisir à utiliser une fois, deux fois, trois fois, qui vont répondre à ce nécessaire besoin d'être dans l'air du temps, de refléter une société à un moment M. Et qui vont parfois perdre de leur pertinence au fil du temps. Ce qui veut dire aussi qu'on accepte d'avoir un catalogue qui n'est pas dans l'augmentation systématique, c'est-à-dire qui peut aussi réduire. Et ça a été le cas, on l'a déjà fait. On accepte d'avoir un catalogue qui va s'augmenter dans une direction artistique donnée et qui va se réduire dans une autre. C'est pas parce qu'on a par opposition à la typographie en métal. C'est pas parce qu'on a des coûts de stockage qui approchent zéro qu'on a des objets numériques dont le coût de maintien est très faible, pas zéro, pas nul, hein, mais très faible, que ça justifie sur cette raison seule de les conserver au catalogue. La raison pour garder et promouvoir un caractère au catalogue, c'est qu'il a une utilité dans le design contemporain. Et c'est uniquement cette raison-là. Alors, on a le même problème, on va dire, quant au piratage, que la musique, finalement, et la solution, c'est la même, hein, avec la typo, c'est qu'on puisse l'acheter facilement, ce qui n'a pas toujours été le cas. Toi, tu tiens à ce qu'on puisse acheter quasi sur le site de Production Time en un clic, quoi, en très peu de clics.
Et lutter contre le piratage, comme en musique aussi, c'est avoir des coûts tout particulièrement abordables, sachant qu'on peut acheter au détail, pas un caractère, hein, mais une fonte, y compris en payant au mois, je crois. Hein. Pas chez Production Type, non. Ça se fait. Mais ouais. Ça se fait, oui, ouais. Bien sûr. Oui, oui. Alors, ce n'est pas le caractère que tu achètes au mois, c'est l'accès à une bibliothèque, à un catalogue. Mais oui, ça se fait au mois. On peut faire beaucoup de parallèles musique et typo, et notamment sur la commercialisation au titre ou à l'album. Par contre, attention, d'un côté, tu as affaire à un bien culturel de grande consommation. Ce n'est pas du tout le cas de la typo. On vend des professionnels. C'est un marché de professionnel à professionnel. Donc, tu ne peux pas être dans une stratégie viable de baisse des coûts en te rattrapant sur les volumes. Oui. Ça ne peut pas marcher. Et on ne le fait pas. On n'est pas en train de baisser les coûts, même si c'est un marché libre qui a tendance à s'auto-réguler par le fait de la concurrence et que la tendance est historiquement à la baisse des prix sur le long terme. Mais il faut voir d'où on part aussi. Bien sûr, c'est-à-dire que on accepte usuellement que le prix d'une case de caractères au XVIe siècle pouvait valoir le prix d'une petite maison. Donc c'était un investissement assez lourd. Ouais. Plus près de nous, dans les années 70-80, un disque de caractères de photocomposition, c'était plusieurs milliers de francs, plusieurs dizaines de milliers de francs. Ouais. Okay. Ce n'était pas uniquement lié à la technologie, aux matériaux nécessaires qui étaient plus ou moins précieux, qu'à la valeur ajoutée que tu achetais avec ce caractère, au-delà de la licence même. Et avec le numérique, ces coûts de stockage et de fabrication, ils ont affiné le zéro, mais heureusement que ce n'est pas le support que tu achètes. Ce que tu achètes quand tu achètes une licence de caractère, c'est une valeur ajoutée dans ton design. Et donc, moi, j'ai la conviction que cette valeur ajoutée, elle se rétribue, évidemment, heureusement, mais elle se rétribue différemment en fonction du caractère. Donc on a des caractères plus ou moins chers dans le catalogue, plus ou moins abordables, en fonction de différents critères, notamment de leur charge expressive ou de leur potentiel fonctionnel, qui vont faire des prix plus ou moins élevés en fonction des utilisations. Du point de vue du coût, pour les néophytes, on va dire, en général, c'est une fonte, c'est quelques dizaines d'euros. En revanche, il y a aussi, tu fais aussi des caractères exclusifs. Alors j'ai envie de dire, c'est là où ce lieu, Production Type, comme les structures de création de caractères, on est entre un service, on va dire, au graphiste pour le client final, mais aussi on a parfois des entreprises comme clientes avec ce qui s'appelle les caractères exclusifs, où là, si tu dessines, je sais notamment, tu as des industriels, tu as du luxe, de l'édition, on évoquait Libération tout à l'heure. Dans le luxe, je sais que tu en as fait plusieurs. Moi, et dans l'industrie, Renault aujourd'hui, Mégane, toutes les marques qui se déclinent avec des caractères sur les voitures, ça c'est dessiné par Production Type. Tout à fait. Ah ouais. Alors ça, évidemment, on ne le vend qu'une fois. Il y a un suivi, on peut imaginer, avec le client, là en l'occurrence Renault. En revanche, on n'est pas sur quelques dizaines d'euros, fort heureusement, parce que c'est un travail qui est colossal. Non, parce qu'on est sur une valeur ajoutée pour le client qui elle-même est colossale. Ah ouais. On est sur la création d'actifs de marque qui permettent de la protéger, de la renforcer, qui sont des investissements à moyen ou long terme. Et qui, à ce titre, augmente la valeur de la marque, sa reconnaissance, son territoire. Et là, tu vas travailler aussi avec les designers de chez Renault. J'entends les typos aujourd'hui dans les applications, tu les travailles essentiellement en deux dimensions, mais chez Renault, elles vont prendre aussi un peu d'épaisseur. Alors chez Renault, c'est un caractère qui, dès le départ, était destiné à être en trois dimensions. Ok. Ouais. Dès le départ ici. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ça fait partie, on va dire, de la demande. Quoi. C'était le brief. On savait que le contexte d'utilisation, on revient au contexte. On savait que le contexte d'utilisation, ça allait être la tridimensionnalité. Même si, on va dire, quand elle ici, elle est encore pensée en deux dimensions dans les applications qu'on évoquait tout à l'heure.
Là, non, justement. Les outils nous permettent, a priori, de ne dessiner qu'en deux dimensions, mais de la même manière que on anticipe les déformations du médium ou du réceptacle, quel qu'il soit, sur les déformations de ce médium sur la forme typo, on va anticiper la tridimensionnalité sur la forme typographique. Donc, il y a quelqu'un ici qui utilise des logiciels 3D pour leur donner… Il ne s'agit pas de ça. C'est, par exemple… savoir que quand tu vas extruder une lettre, c'est-à-dire l'élever dans l'espace, partir de aller dans l'axe Z, la troisième dimension, cette extrusion, elle se fait en biais. C'est-à-dire que si tu extrudes vers le bas, tu pars de ta forme donnée et tu vas extruder en t'évasant. Okay ? Donc, cette forme, cette manière d'extruder, elle va respecter la forme de base, mais elle va épaissir. Okay ? Si tu fais le travail inverse, c'est-à-dire que tu dessines, tu as ta forme donnée, c'est la forme contact sur la surface, et que tu vas extruder en affinant vers la lumière, vers le ciel, ta forme, elle va changer, elle va maigrir. Aye. Donc, ce n'est pas uniquement penser en trois dimensions, penser en deux dimensions, c'est aussi imaginer le process ou les étapes à suivre pour passer au volume, ou pour avoir une forme la plus fidèle en volume, en prenant en compte tout ce qu'il va y avoir autour. Et ça va plus loin que ça. Pour l'alphabet Renault, c'était aussi la section de cette surface de lettres et la manière qu'elle va avoir de refléter le ciel. Donc la section de la lettre est légèrement courbe pour qu'en fait le reflet il se fasse par rapport au ciel et pas par rapport au sol. Ouais. Et ça veut dire que tu dois finalement, avec des outils ici d'une rare précision en termes de gestion typographique, anticiper sur des outils 3D industriels, je pense même pour les graphistes à Blender ou Maya, avec des réglages typographiques qui sont quand même très rudimentaires. Entre deux caractères, on met deux espaces, quoi. Alors, à nouveau, en temps normal, on n'est pas peu fier du métier qu'on exerce dans la typo. Je connais personne qui le revendique pas un minimum. On a tendance à se gargariser de ce degré de contrôle, de finesse et de précision. Pour avoir travaillé avec des designers volume, c'est sans commune mesure, en vérité. Ouais. La faiblesse du contrôle typographique des logiciels que tu cites, en fait, elle est sans objet, puisqu'on n'est pas dans la composition de texte au clavier où on a besoin de régler des espaces sur tout un paragraphe, des justifications, des césures, des finesses orthotypographiques comme des capitales accentuées. On est sur des mots-images. Donc ces mots, ils sont figés. C'est un seul mot. Tu vas régler donc des intervalles entre les lettres sur 5-6 lettres. Hein. Tu penses à Kadjar, Mégane, Talisman, Clio, etc. Donc des mots relativement… Enfin, juste des mots. Seul mot. C'est ce qu'on appelle la typographie de titrage. Oui, mais après, tu peux faire des titres un peu plus longs. Contrairement au labeur. On tombe dans la difficulté de bien composer avec un caractère de titrage, parce qu'on va avoir, besoin d'un contrôle plus fin sur l'espacement de ces lettres. Mais ce n'est pas tout. Pour le cas spécifique de Renault, puisque ta lettre, elle va être extrudée en volume, tu parlais des courbes de Bézier tout à l'heure, on va avoir besoin de faire appel à des courbes de 4e, 5e, 6e degré, là où en dessin typo, on est degré 3 ou 4 uniquement. Et donc d'avoir un contrôle, alors là, c'est même plus du microscopique, c'est du nanoscopique, sur ta courbure, la manière dont ton arête de lettre, elle va se connecter au fût, parce que non seulement quand tu vas extruder, s'il y a le moindre grain de poussière numérique dans la qualité de ta courbe qui traîne, mais si en plus ton arête n'est pas parfaitement lissée, la manière dont ça va prendre la lumière va être inesthétique. Et ça, c'est un œil que les designers volume ont, et c'est une attention, un degré d'attention au détail qui est encore supérieur au design typo, parce qu'on peut se permettre d'avoir le nez sur la forme typo, parce qu'on est juste sur la dimension d'un seul mot et d'un mot en volume. Par opposition à la typo plus conventionnelle, que ce soit à l'écran ou autre, où tu vas être non pas sur… Tu vas pas travailler un mot, mais tu vas travailler un paragraphe, et de manière plus dynamique. Ça veut dire aussi que là, il y a une dimension relationnelle forte avec le client.
de ces caractères exclusifs. Mais finalement, cette dimension relationnelle, elle existe aussi pour tous les caractères du catalogue, dans la mesure où vous avez des échanges très réguliers avec tous les graphistes qui vont les utiliser, que ce soit des freelances, que ce soit en entreprise. Finalement, cette dimension, de ce service après-vente, j'ai presque envie de dire, il a une dimension très forte ici. Oui, alors c'est un service après-vente, avant-vente. C'est une relation d'éminence grise, c'est un interfaçage permanent. C'est des retours aussi, j'imagine, des utilisateurs. Voilà, c'est des retours sur des caractères qui sont d'ores et déjà disponibles ou pas encore. C'est pas un métier qui s'envisage en autonomie complète, évidemment, comme tous les métiers du design. Par contre, ce qu'on essaye de faire, notamment dans le cadre des caractères de commande, c'est d'inviter le commanditaire à penser d'abord à son utilisateur, à son client à lui, plutôt qu'à lui-même. Voilà. À penser aux bénéfices pour l'utilisateur, aux bénéfices pour l'acheteur, le consommateur, le lecteur. Voilà. Mais effectivement, au quotidien, le premier degré d'interaction, il se fait avec les utilisateurs de nos caractères. Et c'est un téléphone rouge, hein. C'est une ligne directe permanente, parce que sont eux qui animent les caractères, sont eux qui les font vivre, qui les poussent dans leur retranchement, qui en font les meilleurs usages. Je n'ai pas la prétention d'être un bon graphiste, c'est quelqu'un qui a ce job ici à la fonderie. Et ma prérogative, ce n'est pas de faire le meilleur usage des caractères, c'est de proposer le meilleur potentiel, le plus riche ou le plus spécifique à quelqu'un d'autre.